Porsche 911 Turbo S, le summum de la gamme 911 routière. Flat 6, 3,8 litres, biturbo, à géométrie variable. Alors Turbo S, c'est quoi? C'est d'abord un peu de chevaux en plus, 530 chevaux. Qui dit plus de puissance dit aussi plus de couple. La Turbo S a un pic à 71 mètres kilo. Et surtout, ça se passe à 2000 tours minute. Ça veut dire que à peine on accélère et immédiatement la voiture part. La Turbo S reste, pour un modèle de route, le sommet absolu de la gamme du constructeur allemand. Les jantes avec roue centrale, les freins en carbone céramique sont livrés en série comme la boîte PDK. Donc Turbo S comme sommet, c'est vraiment toute la technologie de Porsche. Alors pour réussir à domestiquer une puissance pareille, Porsche opte pour la transmission intégrale. La particularité de la Turbo S, c'est d'avoir le fameux différentiel PTV pour Porsche Torque Victorine. L'idée consiste à balancer un peu plus de couple sur la roue extérieure du virage pour aider à faire pivoter la voiture. On y gagne en termes de dynamisme. Alors, en plus d'accélérer comme un avion de chasse, ça pousse en reprise. Ça dépasse l'entendement, on est sur un 100 à 140 en un peu plus de 2 secondes. 2 secondes de 100 à 140. Et ça veut aussi dire que lorsqu'on voit le compteur de vitesse, on n'y croit pas. Autrement dit, avant de réussir à suivre une 911 Turbo S, il faut être très très armé. L'équipement est ultra complet, tout est là. L'ergonomie est juste parfaite, on se sent très bien. La position de conduite est extrêmement naturelle. On a vraiment cette impression de faire corps avec la machine.